Hello tout le monde, voici Champion MCL. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 50e vidéo de Clash of Clans. Ouais! C'est la 50e vidéo! Waouh! Dire que j'aurais jamais pensé à atteindre les 50 un jour. Bon, peut-être oui, à un moment donné, oui. Mais c'est étonnant quand même, 50 vidéos, c'est pas mal. Et pour ce spécial, parce que c'est un spécial, j'ai décidé que la vidéo va durer minimum 1 heure. Oui, 1 heure. C'est ma première série qui va y avoir 1 heure. À date là, bon, première vidéo en tant que telle, pas juste série, mais première vidéo. Parce que j'ai jamais, mais au grand, jamais dépassé l'heure. Puis ça va être la première. Et en même temps, je disais que certaines séries que je voulais faire, mais que j'attendais une vidéo en particulier. Et c'est celui-là. Parce qu'à partir de cette vidéo-là, il n'y aura plus de limite. Bon, du moins, il y en aura moins. Du moins. Ça va pouvoir aller à 1 heure au moins. Enfin, j'avoue que avant ça, j'aurais pas fait de vidéo d'1 heure parce que la publication, je dis bien la publication, sur YouTube était très lente. Mais vu que j'ai meilleur débit d'internet, ça va beaucoup mieux. Puis bon, quelques exceptions malgré tout, mais en général ça prend énormément moins de temps. Une vidéo d'1 heure m'aurait pris comme combien d'heures à le faire publier sur YouTube quand j'étais avec Belle? Ouais, mais maintenant vu que je suis avec Vidéotron, combien de temps ça va prendre? Peut-être une demi-heure, tout dépendant. Je me demande vraiment combien ça va me prendre de temps. Au pire, dans une prochaine vidéo, je vais annoncer combien de temps que ça a pris, au pire. Ou dans la prochaine vidéo de Clash of Clans, tout simplement. Peu importe. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va être spécial? C'est qu'il va y avoir un déroulement assez particulier, parce qu'il va y avoir beaucoup plus de combats. Quand je dis beaucoup plus de combats, c'est, je le dis bien exactement, beaucoup plus de combats. Parce que il n'y aura pas, oui, il va y avoir du blabla, bien évidemment, comme là. Là, c'est le blabla du début. Parce que c'est pour vous annoncer que simplement que c'est la 50e vidéo. Et les nouveautés qu'il va y avoir, bien évidemment. Une petite astuce, juste pour vous dire. Vous avez peut-être remarqué depuis le début du mois, depuis le 2 février, peut-être, vous ne voyez plus mon nombre d'abonnés. C'est bien normal. Pourquoi? Parce que je fais un test où je veux voir c'est quoi la différence quand on voit les abonnés puis quand on le voit pas. Je me demande vraiment. Je l'ai essayé à un moment donné, mais vu que j'avais pas beaucoup d'abonnés, ça valait pas la peine d'essayer. Mais là, vu que j'ai un peu plus d'abonnés, je vais l'essayer pour le mois de février, peut-être dépasser jusqu'au mois de mars. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner. On va voir ça. Puis je vais vous donner des résultats, bien évidemment. Après, j'ai hâte de savoir c'est quoi la différence. Parce que des fois, je pogne des. Pour savoir, pour le fun, combien il y a d'abonnés de personnes. Puis il y en a que je vois pas, leurs abonnés. Je me demande combien il y en a. Est-ce qu'ils réussissent bien? Est-ce qu'ils réussissent pas bien? On va faire le test. Pour ce mois-ci. Vraiment, on va faire le test. Ça se peut que vous voyez. Là, j'ai 2743. Ça se peut que dans la vidéo, vous voyez moins, plus. C'est normal. Parce que je filme pas la même journée. Je vais filmer durant plusieurs jours. Puis, comme je voulais préciser, il va y avoir des nouvelles séries de 1 heure. J'ai une série prévue qui va durer chaque vidéo 1 heure. Minimum. Du moins, on va dire comme ça, environ 1 heure au moins.
écoutez pas toutes, parce que vous allez comprendre pourquoi, quand que je vais le faire. Je pense à un en particulier. D'autres aussi. Une autre vidéo aussi que je risque de faire 1 heure. Mais cette vidéo-là, vous allez le voir assez rapidement, qui va dans les prochaines vidéos, qui est prévue pour le mois, qui va être bien évidemment, à vrai dire, la série elle va commencer au mois de mars. Je vous le dis tout de suite, elle va commencer au mois de mars, mais je vais être présenté dans une autre série. Vous allez tout comprendre, je sais pas dans combien de temps, mais vous allez tout comprendre. Puis j'ai été chanceux. Regarde, moins deux. Moins deux trophées. Ah, ça c'était pas le fun! Comme ça, j'ai pu remonter parce que de temps en temps, je descends en bas de 2700. Oui! Puis j'ai réussi à remonter. Moins 8, moins 2, moins 6, moins 8. Bon, on ne parlera pas de ça. Moins 28. Oui! J'ai eu ça deux de suite! 28, 18. Donc, on va le visionner tout de suite! En accéléré, bien évidemment. PK. On voit que c'est quand même assez efficace. Il est abandonné parce que on sait que les golems, ça détruit pas vraiment les murs. Ça, tout le monde le sait. Et l'autre, c'est lui que je viens de faire, si je me trompe pas. Et lui, 42-48. Si vous me dites, je me suis trompé, voici la preuve. Je ne me suis pas trompé. Quand je ce que je me disais, est-ce que je me suis trompé? Non, je ne me suis pas trompé. Là, il a pogné mes angles morts. Bof, les angles morts détruits. Ou plutôt, angles morts créés. Et voilà. C'est terminé. Maintenant, on va se laisser avec les meilleurs moments. Je dis bien les meilleurs moments de Clash of Clans depuis le début. Oui, la première vidéo va être là. Oui, en partant. Comme ça, après ça, c'est fait, puis on va avec de la bonne qualité. Oui. Je pense qu'il y a, si je me trompe pas, il y a un peu de tout. Je m'en suis plus trop sûr, mais ça sera les meilleurs moments depuis le début de la série, depuis le début de la chaîne. Donc là, on parle pas juste d'une série, on parle de la chaîne complète. Mais juste, on parle juste de Clash of Clans, bien évidemment, mais c'est la vidéo qui a parti de ma chaîne. On peut dire ça. Et pour ça, je vous dis bon visionnement. Alors tout le monde, je suis champion FMCL à l'ordre pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Oh quel cri! Bienvenue à Clash of Clans. Voici champion MMCL. Ce que vous voyez là, c'est une attaque que j'ai faite seulement. Pour ma première, vu que c'est ma première vidéo que je fais pour sur YouTube, je vais vous montrer la vidéo que j'ai faite. Alors tout le monde, ici champion MMCL. Voici une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Oh mon Dieu, 6000, 6000 excellents disponibles. C'est la première fois que je vois autant d'élixirs noirs. Gros jambon. Gros jambon. Gros jambon. Clash of Clans. Et j'ai déjà 2 étoiles. Je vais mettre cette potion-là.
Ça me tente d'avoir toutes les élixirs noirs. Oh, quand même, 2000 élixirs noirs. J'avais pas remarqué que ceux-là, c'est pas ceux qui sont les plus importants, mais quand même. 2590 élixirs noirs, c'est pas rien quand même. Et voilà que ça se termine et termine la vidéo. Et vitesse normale. Et c'est un hôtel de ville niveau 11. C'est ma première une chose que j'avais. Bon, vu que j'avais du dragon, ça. Dragon ou métropole habituelle, ça avait plus d'importance. Mais le 2 étoiles, il était plus facile avec. Il est plus facile. Je pense pas que je l'aurais eu avec mon métropole habituelle. Les étoiles. J'aurais plutôt eu juste une étoile. On voit l'aigle Arteria et comment c'est déployé. Il fait mal. Pas mal. Vous aurez que le tour de défense avec pas, mais ça, ça fait mal. Il déploie aussi le roc marin, là il va s'attaquer à mon roi. Et c'est pas ça qui le tue. Une chance qu'il se consacre au roi et non à une autre place. Là il se consacre à la reine. Aussi il serait consacré à ma reine en premier. J'aurais probablement pas eu mon 50% que vous voyez là. Mais j'ai failli d'avoir plus que 50%. Puis avec un gain de 1760 élixirs noirs, 180 000 dollars, 130 000 élixirs. Ah tout le monde, voici le champion MMCL. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of... Clan!
Cupidon. Allez, tue-les. Tue-la. Là, manque de temps. Il y avait 100%. Non mais... Il appelle un qui a fonctionné. Tu... On va aller leur tirer l'ordre. C'est tout ça pour une autre tête. Pour quelques trophées. Et moi des fois. Tiens, oh l'attaque. Il n'a pas pris de temps. Ouais. Ah! Le lever. Débarrassons tout de suite de ce roi. Qui va mourir d'atroce douleur. Bye bye. Merci. Bon débarras. Ah, il y a un spectateur. Ah, c'est la première fois que je le vois. Alors, il se fait détruire. Il le regarde son village se faire détruire. Ok. Bon. Un autre fucké. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête là? Oh! Je suis premier mondial là, faut que je refasse tout mon village puis je le fais bizarrement. Avec aucune stratégie, comme ça je vais l'avoir! Vous savez qu'ils pensent eux-mêmes. Voyons voir. Oh shit, ça a changé ça. Pack tour à bombe. Valeur x5. Ah ouais. Tout ça pour 14$. Ça ne vaut pas la peine pour moi. Voyons voir. Ah. 4 jours. J'ai hâte d'aller au niveau 10. Hôtel de ville niveau 10, honnêtement. Faut tout je rechange mon village juste à cause d'un de un de plus. Il a rechangé ça parce que je l'ai acheté. Coûtait combien au juste? Je même pas regarder le prix. Je regarde même pas le prix puis je le jette. Wow. 2 millions. Oh. Oh mon Dieu, c'est n'importe quoi. Je regarde même pas le prix puis je la jette. Sans que je sache c'est quoi le prix. Hein? Oh shit! Je peux faire ça? Depuis quand qu'on peut faire ça? Hein? Incroyable! Depuis quand qu'on peut faire ça? Savais pas qu'on pouvait faire ça honnêtement. Je suis toujours sûr ça, comme ça par hasard. Et voilà que je vois que je peux faire ça. Une découverte avec un spécial. Waouh! J'espère que vous avez bien aimé. Ces moments que depuis le début de la chaîne, de la série qui est aussi de la chaîne. J'aimerais ça vous parler d'un sujet qu'en même temps je vais attaquer. Chercher, bon, du moins aussi à chercher un village. J'attaque pas. Oh, on va y aller. Pas grave.
On va s'essayer. J'aimerais ça vous parler de quelques sujets aussi durant cette vidéo. Ok. Ouh, oh non. J'aurais pas dû attaquer. Ouais, j'aurais pas dû attaquer. Je vais pas faire ça. Bon, un sujet. À un moment donné, il y a eu quelqu'un qui me demandait un commentaire. Est-ce que je vends des chandails de femmes? Je lui ai répondu que non. Et pourquoi? Parce que pour les chandails, là, c'est avoir le logo de ma chaîne, admettons. Je suis pas encore rendu là. J'ai pas pris rien prévu de ça. Parce que y a pas beaucoup de monde, y a pas beaucoup d'abonnés, ça vous ne vaut pas la peine pour l'instant. Bien évidemment, plus par la suite, ça va valoir la peine. Plus tard. Quand il y avoir plus d'abonnés et tout ça, là peut-être je vais penser à ça. Puis, mais une autre raison, c'est que le logo de ma chaîne. Faudrait que je l'améliore avant. Allez. Ok, je l'ai. Parfait. Mais inquiétez-vous pas, je suis en train de travailler sur le logo. De mettre, améliorer le logo. C'est plutôt dans cette optique d'améliorer le logo. Parce que si vous remarquez bien, le logo au milieu. Oh. Ah! Déployons tout. Logo au milieu, là, c'est ça vient de mon autre logo. Mon premier. Bon. De mon ancien logo. Ça vient vraiment de mon ancien logo. On l'a pris, puis on l'a mis là. Le restant, il est vectoriel. C'est quoi la différence entre vectoriel puis pixelisé? Je vous expliquerai ça à un moment donné. Mais pas pour aujourd'hui. Mais c'est ça la vraie raison. Pas mal. Les raisons pourquoi il n'y a pas de 1. Ça vaut pas la peine. J'ai plus ou moins pensé à ça. Oui, à un moment donné, j'ai peut-être pensé, mais sans importance, honnêtement. Puis, il faut que je refasse mon logo. C'est sûr que je pourrais faire quelque chose. Donc, qui est déjà fait. Mais sinon, ça sera pas pour l'instant. Bien évidemment, par la suite, je risque de vous proposer ceci un jour. Dans combien de temps, j'en ai aucune idée. Mais c'est ça. Même que je risque de faire peut-être un tirage pour ça. Pour les premiers, quelque chose de même. C'est ça. C'est ça pour qu'est-ce qui est du chandail. Nous allons rattaquer. J'aimerais ça vous parler de Dying of Gods. Dying of Gods. On sait que ça c'est un jeu similaire à Clash of Clans. Différent. La fonctionnalité, il y a comme un mélange de d'autres jeux en même temps. Mais ça ressemble à Clash of Clans. On s'entend. Des stratégies différentes aussi. Moi je dirais, j'ai la misère un peu attaquer avec Dying of Gods. Pour Clash of Clans, bon, ça dépend. Mais c'est ça. Mais pourquoi j'aborde Dying of Gods? Mais inquiétez-vous pas,
Je n'arrêterai pas Dawn of Gods. Au contraire, la nouvelle, c'est pour vous dire que c'est sûr que cette série va continuer peut-être longtemps. Et maintenant, pourquoi? Pourquoi c'est sûr qu'il va continuer? Parce que j'ai regardé, du fait de, c'est pas la première fois que je faisais des recherches pour voir si ce que j'attaque. Bof, pourquoi pas? Pour savoir si Dawn of Gods, il y a du monde, bon, pas que juste qu'il y a du monde qui joue, mais pour voir d'autres personnes qui jouent à Dawn of Gods. Mais ce que j'ai trouvé sont en anglais. J'ai fini par trouver en français. Dont moi, je me suis trouvé une de mes vidéos, bien sûr, en français. Oui, j'ai réussi à me retrouver dans les vidéos. Allez, cette Valkyrie. Ouais. Puis quand je faisais la recherche, j'étais le premier en français. Mais vraiment le premier en français. Sinon, j'en ai vu d'autres, mais il y en a pas vraiment qui font de séries. Ce que j'ai pogné, c'est surtout du monde qui font juste débuter, puis c'est tout. En gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a pas beaucoup de youtubeurs qui font des vidéos sur Dawn of Gods, en gros. Puis vu qu'il n'y en a pas beaucoup, je vais continuer Dawn of Gods. Parce que ça pourrait être bien favorable. On sait jamais. Mais pourquoi ça va là? Change de chose après panier mon sort. Si ça m'a fait n'importe quoi. Tellement. Le dernier, il va aller là. J'aurais plus là, j'aurais plus là. Mais non. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que au moins j'ai des trophées. 6 trophées au moins. À un moment donné, j'ai 15 trophées, 11 trophées. Ça, c'est le fun. 15. Ça, c'est le fun, ça. Je sais jamais où le mettre sur. À Clash of Clans, je sais jamais où le mettre. C'est le bouton d'arrêt. Jamais. Je sais jamais où le mettre. Là, je suis sûr qu'on va se revoir dans une demi-heure. Pour une attaque. Parce que, comme vous savez, on fait que attaquer aujourd'hui. On est de retour. Avec une attaque directe cette fois-ci. Ouais. Ouais. J'ai juste oublié de. Ah. J'ai juste oublié de partir la vidéo tout simplement. Plutôt oublié d'enregistrer. Ah, il y en a vraiment.
Et voilà. Parfait. Je fais ceci. Bon, là, rien pour le choix. Salut. Ok. Je suis correct. Je pense. Ok, je vais quand même faire ça. Quand même. Pas que j'ai mal attaqué, mais c'est juste que. On va faire ça de même. J'espère l'avoir au moins le... au moins ça. Allez. Parfait. Oh, j'ai chaud. Au moins j'ai une étoile. Au moins j'ai une étoile. J'ai eu chaud. Ouh. Au moins c'est fait. Je me demande si j'aurais dû prendre ça. Je me demande vraiment si j'aurais vraiment dû faire ça. Je pense que c'était pas le bon village. Mais c'est pas grave. Au moins j'ai eu des trophées. C'est ce qui importe le plus. C'est trophées. Peu importe comment je l'ai eu, même si c'est de justesse. Même si c'est de justesse, au moins je l'ai eu. Ouh. On va se laisser pour une prochaine attaque. Il reste que deux trophées avant d'être Master 2. Et maintenant, nous allons attaquer. Oui. Attaquer pour aller. Attaquer pour être Master 2. Allons-y. Ça a été long, mais j'ai fini par trouver un village. Donc j'espère que je vais avoir le deux, au moins une étoile. Ce que je vois en ce moment, l'étoile est très possible. Espérons de l'avoir. Je voulais être le plus sûr possible d'avoir. Mais bien d'avoir. Au moins une étoile de trophée. Je vais même garantir ceci avec le roi des barbares. Et oui, j'ai enfin. J'ai bien fait de prendre ces flèches-là. Je sais que le roi. Et voilà. Bon, on va faire un petit tour de passe-passe. Vous allez voir ce que je faisais par là. Parce que les balances ne tentent pas de m'acharner sur ça. Tiens, on va faire ça. Tiens, on va activer ça. On gaspille un peu de foudre pour le fun. Et voilà. Et voilà.
C'est terminé. Destre fait pour une étoile. C'est parfait. Et je suis enfin Master 2. Enfin! Ça fait plus d'un an que j'ai pas été Master 2. Ah, oh, ça fait du bien. Ok. Je suis premier dans la Ligue Master 2. Il est pas jour. Il m'a pas chaud. Wow. C'est n'importe quoi. Bon, au moins, on pourra dire que je suis déjà premier dans la Ligue Master 2. Même si c'est pas les vraies valeurs, tout ça. On va dire ça de même. Wow. Je vais pas pire ça. Au moins, vous êtes témoin que je suis désormais Master 2. Et pour combien de temps? Je sais pas. J'espère d'y rester puis de monter Master 1 pour ensuite aller Champion 3 par la suite. Espérons. Mais c'est pas gagné. C'est tellement difficile de trouver du village, d'obtenir des bons villages en ayant assez de trophées, bien évidemment. C'est difficile. Là, j'ai fait plusieurs recettes. Plusieurs recettes. Là, j'ai attaqué quelques fois. Puis, ça pogne, je pogne plus des cristals d'eau. Ça en pogne beaucoup. Puis, je suis Master 3. Master 2, même. Encore qu'est-ce qui est pire. Je suis Master 2, justement. Puis, je pogne du cristal d'eau. Normal, ça. Ça va être long, ou peut-être moins long que prévu. Master 2, en plus. Je me suis rendu jusqu'à 20 ou 30 ans, je ne sais plus. J'ai descendu un peu. Simplement. Parce que je me suis fait attaquer. J'ai descendu encore parce que j'ai accroché. C'est quand pour attaquer. J'ai accroché l'écran ici, qui n'est pas dans la zone. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, je suis en plein combat en Master 2. Ça n'a pas été trop pire avec ce village-là. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été trop long à chercher. Mais disons, Master 2, je fais quelques attaques là. Ah, que c'est long. Dans juste une recherche, c'est long. Puis les trophées disponibles, il n'y en a pas beaucoup. J'ai dû descendre un peu. Ouais. Juste pour vous dire, j'ai descendu. J'ai pas descendu Master 3. Mais j'ai descendu un peu dans le registre de Master 3. Je pensais que j'étais fini, mais non, j'ai eu 22 trophées. Ah, c'est fun ça! C'est-tu pas le fun? Faut que j'aille. Faut l'activer tout de suite, comme ça va être fait. Et voilà. On envoie tout de suite. Et voilà. Oh oui, il pingue pas mon marraine là. Bon, est-ce que je pourrais avoir au moins... Non, dommage. Au moins 5 trophées. Au moins. Je peux pas dire que j'ai pas 5 trophées. Au moins j'ai 5 trophées. Tous les trophées, mais nécessaires. Tous mes trophées, mais indispensables. Oui.
indispensable. Mais ça, je veux pas avoir en bas de 15 trophées disponibles, par contre, sinon. Faites une attaque complète ce matin. Je vais vous montrer ça. Il fait une attaque complète. L'hôtel de ville était complètement à l'extérieur. Regarde-tu. Il est là, l'hôtel de ville. J'ai attaqué ça, mais. J'ai pas vu qu'il y avait pas beaucoup de trophées disponibles. Sinon, j'aurais juste attaqué l'hôtel de ville, puis j'aurais tout de suite attaqué pour avoir des trophées. D'autres trophées. Bon, c'est pas plus grave que ça. Bon. Ce que je vous disais, venez les trophées. Ici, bon, c'est ce qu'on vient d'attaquer. J'ai fait un moins 34 trophées, celle-là m'a coûté cher. Ça, j'ai juste l'accroché, vous pouvez voir très bien. Je sais même pas qui est un. Vous l'avez entendu, sûrement entendu, mais ce qui a déclenché, c'est ça. C'est un barbare, comme d'habitude. Et je voulais pas l'attaquer de pantoute. Puis à cause de ça, j'ai perdu des trophées. Ça m'a coûté cher. Qui m'a ramassé 1780 quelque chose. Je sais pas exactement. Ensuite, j'ai attaqué 2 trophées supplémentaires. Plus 22 trophées! Yeah! Haha! Je vais même vous le montrer tout de suite. Je sais pas ça, je sais pas pourquoi je ping lui. Bon, voilà, 42%. Je vais attaquer là, au sud-est. Côté aérien, j'ai été pas pire. Une chance que mon roi des barbares est ici. Une chance vraiment que mon roi des barbares est au centre. Ça m'a beaucoup aidé. Aussi, il n'aurait pas été au centre, j'aurais eu moins de résultats. Ça, c'est sûr. Mais vu qu'il est au centre, c'était correct. On va se retrouver dans. Pour une prochaine attaque là. Ah, Master 2. Bien évidemment. Parce que je suis Master 2. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas facile de trouver un bon village. Il y avait eu un bug, on dirait. Bon, plutôt il n'a pas été mis à jour, mais. Ça avait été mis à jour, mais pas. Le nombre de trophées. Puis mon changement de ligue. En ce moment, je suis combien? 82e, j'étais. Bon, c'est normal. Mais il y en a des pires que moi. 8 à 2 parties. En ce moment, mon bonus étoile. Bah, mon bonus, pas étoile, mais mon bonus est de 135 000 élixirs de l'or et 740 élixirs noirs. Et en Master 1, c'est 160 000, dont 920 en élixirs noirs. Là, il y a le bonus étoile augmenté. Oh, quand même! J'ai... $1 million! $1 million d'élixir! 5200 élixirs noirs! Oh, wow! Incroyable! J'ai bien fait cette tellement bien fait de récolter. J'ai été ici à peu près quelque chose en main. J'ai récolté au cas où quand vu qu'il y a le bonus étoile puis c'est x4. Je me suis dit bon, je vais le récupérer au cas où. Puis je pense que je fais bien de le récupérer. Parce que là je le récupère. Là je vais l'avoir mon bonus étoile. Comme ça je vais récupérer à nouveau. Oui. Ah, autre amélioration. Donc, j'ai fait quelques améliorations. Tour d'archer, il est en niveau 11. Tour d'archer, niveau 11.
tour à bombe qui s'en va au niveau 2. Il me reste tellement plus grand chose à améliorer. Les seules choses qui me restent à améliorer, vous pouvez voir là. Bon, mes pièges ressorts, tout. Bombes géantes, toutes. Les bombes, toutes. Fonce. Peu importe. Il me reste ça pour ce qui est en piège. Ou qu'est-ce qui est en bâtiment? Est-ce que vous voulez? Il me reste juste mes tours d'archer. Puis mes. Défense aérienne. Sinon, j'ai tout amélioré. Et peut-être aussi la tour à bombe. Je sais pas si je peux l'améliorer jusqu'au niveau 3. Je ne sais pas, mais. Il me reste plus grand chose à améliorer. Je suis presque prêt pour aller hôtel de ville niveau 10. À part mes remparts, bien sûr, qui n'est pas prêt pour tout. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Quand j'ai fait beaucoup d'améliorations de remparts, regarde, on voit même du niveau 9 autour du caisson central. Oh, oh, oh. Le milliard. Quand j'atteins le 6 millions d'élixirs. Ah ouais, deux, on en gaspille de l'élixir. C'est bien plus facile de gaspiller de l'élixir quand on a des remparts à partir de niveau 8. Qu'on peut l'améliorer au niveau 10. 9, 10, 11, 12 pour les nouveaux remparts. C'est ça. On va y revenir pour une prochaine attaque. Nous allons attaquer. Donc, pour prendre un peu d'avance, je vais faire ceci. Juste pour prendre un peu d'avance, tout simplement. Et on va attaquer. J'ai eu un commentaire à un moment donné de. Sûrement il y en a qui le connaissent. Dans le chapelot. Qui me disait. Qui me demandait. C'est quand que. Qu'il va y avoir le court métrage vidéo. Le court métrage en général. Je sais que j'avais fait une annonce pour un court métrage. Il y a eu un petit problème. En ce moment, je suis en train d'y travailler. Juste pour vous dire, c'est long quand même faire une pièce. Vu que c'est moi qui le compose complètement. Mais il y a une petite affaire, durant le temps des fêtes, j'ai perdu. Durant le temps des fêtes, le Game Center, je l'ai cherché. Bon, du moins je le trouve plus tout simplement. Il est toujours là, mais le camp n'est plus là. Ce qui est dommage. Parce que, à cause de ça, je me suis déconnecté. Et en me reconnectant, je n'étais plus capable de me reconnecter sur mon compte. Mais maintenant, je suis capable. Depuis presque une semaine, je suis capable d'y retourner. Mais, pendant au moins un bon mois, là, même un mois, bien comme il faut, je suis plus capable d'y retourner. Vraiment, je n'étais même plus capable d'y retourner. Là. Puis à cause de ça, j'ai renoncé. J'ai plus progressé. Mais j'ai progressé quand même un peu. Puis. Ah bah, c'est pas pire. Mais j'y travaille. La pièce n'est pas finie. Puis après la pièce, là, je vous dis tout de suite. Après la pièce, j'ai encore du travail à faire. Même après avoir fini de composer la pièce, j'ai encore du travail à faire. Je vous dis tout de suite, ce n'est pas pour le mois prochain. Ça va peut-être prendre quelques mois encore. Combien de temps? Je n'ai aucune idée par contre. Ça va dépendre de la vitesse donc que je fais. Ça va être quand même assez longue la pièce. Le court-métrage va durer, je vous dis tout de suite, au moins 5 minutes et demie. Au moins. Quelques secondes de plus, mais un bon 5 minutes et demi bien comme il faut. Ça va être la pièce. Ça va être le court métrage au complet. Je vous laisse imaginer la composition à faire. C'est long. J'ai fait de la structure au complet. J'ai fini depuis quelques jours. Et là, je suis en train de
de rajouter de la mélodie, de la contre-mélodie, de la basse, tout le kit. Je suis en train de, vraiment de mettre cette pièce intéressante. Parce que, comme on sait bien, cette pièce-là va être sur YouTube quand même et vue par je sais pas combien de personnes. Je vous dis tout de suite, ce court-métrage c'est comme une histoire sur Minecraft. Pour ceux qui, à un moment donné, ce sera pas comme d'autres animés que du monde font, que les bonhommes parlent, tout ça, ce sera pas pour tout ça parce que c'est pas comment faire. Il y a des choses que je sais faire, mais il y a d'autres choses que je ne sais pas faire. Dont la musique, ça c'est un très bon avantage pour moi, pour une future série que vous allez découvrir très bientôt. Je vous le dis tout de suite, bien sûr après cette vidéo, mais quand même, vous allez découvrir cette nouvelle série. Et j'espère que vous allez bien aimer ça. Espérons-le. Ça va être des vidéos quand même d'une heure, je vous dis. Parce que c'est long à faire. C'est une série dont un projet. Puis ce projet est très long à faire. Vous allez tout comprendre quand je vais faire ma vidéo d'informatique, quand ça va avoir lieu. Vous allez tout comprendre. Mais je vous dis tout de suite, ça va être long. La série va être longue. Je suis loin un peu. Puis le cours. Puis c'est beaucoup de travail la série. Pas juste une simple série. La série, c'est vraiment une série. Dont une série à part différente de toutes les séries que j'ai faites depuis. Ça. Ça sent mauvais. Ça sent... Ça fait mal, ça. Bon. J'espère qu'il y aura quelqu'un qui va attaquer puis ils vont me donner des trophées. Parce que sinon, ça sent le Master 3. Le retour au Master 3. Malheureusement. Espérons que non. Mais j'ai hâte quand de faire la série. Vraiment, j'ai hâte. Parce que bon, il va y avoir, je travaille sur quelque chose en parallèle qui est en lien exactement la même affaire. C'est la même affaire que je suis en train de faire, mais ça va être un parallèle. Vous allez tout comprendre. De toute façon, je vais l'expliquer tout. Je vais tout expliquer ça au fur et à mesure. Puis pour le court-métrage, comme que je vous dis, ça va prendre encore un... C'est pas prêt tout de suite, là, je vous dis tout de suite, là. Ça va prendre peut-être un mois ou deux, bien comme il faut, je pense. À moins que... Même peut-être plus, là. Pour bien mettre ça face. Va peut-être prendre plusieurs mois avant de que le projet ait lieu. Vous avez reçu que j'ai pas abandonné. Si vous vous demandez, je n'ai pas abandonné. C'est juste que j'ai eu quelques petits problèmes techniques dont j'ai travaillé et tout est réglé. Du moins pour l'instant. Bon, on va se laisser. On va faire un autre ellipse. De toute façon, c'est
Il n'y a que des ellipses, c'est plusieurs blocs, plusieurs vidéos que je fais en plusieurs jours. Attaquer tout le temps en 1 heure, c'est impossible. J'ai bien fait de vider ceci, la trésorerie. Pourquoi? Quand j'ai rempli une fois, on se souvient que c'est quand même 1 million. Un remplissage, 1 million, exactement comme que qui était marqué. Puis j'ai remarqué une affaire. Je peux l'améliorer. Yups. Je pensais plus que je pouvais améliorer Château Clan. Je me suis dit, est-ce que je peux améliorer Château Clan? Ben oui, je peux l'améliorer. C'est ce que je vais faire, ça va être ma prochaine amélioration, ça va être vraiment le Château Clan. Nous sommes de retour après la fin de la formation. On est de retour. Bon, je suis pris un petit bout avant de pogner un bon village. J'ai pogné le village. Et voilà. C'est fort, vous aurez, quand même. Ouais. C'est fort, vous aurez. Pour vous, ça sera pas si pire que ça, mais pour moi par contre, ah c'est fort, vraiment fort. Et voilà. Parfait. On va faire ça les deux côtés. Allez, on va faire ça. On envoie tout le restant du truc là. Tant que ça. Parfait. Fuck. Bon, c'est pas plus grave que ça. Au moins, qu'est-ce qui est bien, c'est que j'ai réussi l'attaque. Au moins. Ah, je vais un peu utiliser le sort. Eh ben. Au moins, qu'est-ce qui est bien, c'est que je suis moins 6. Je suis uniquement à moins 6, c'est pas trop pire. Bon, on va se laisser pour une dernière fois, pour la dernière partie, parce que ça fait presque 1 heure. Hein? Ouais, on va se terminer tout à l'heure. On va terminer ça en beauté avec une attaque. Nous allons faire notre dernière attaque de la vidéo du spécial 50e vidéo Clash of Clans, bien évidemment. Pour la dernière partie de la vidéo, bon, c'est sûr qu'on va faire une attaque, bien évidemment. Quelques petits changements depuis. Tour à bombe, amélioré. Parfait. Si on a assez d'argent, je vais pouvoir, quand je vais avoir 4 millions, améliorer le château de clan. Pour avoir 30, quand on demande des troupes, quand on demande des troupes, au lieu d'en avoir 25, je vais en avoir 30. Ça va être bien ça. Dans les commentaires, on m'a déjà demandé si j'avais soit Instagram ou Snapchat. Juste pour vous dire, je n'ai aucun de ces deux-là. Ni Instagram, ni Snapchat. Je sais pas si vous avez remarqué, depuis le fin janvier, je pense, pas sûr.
Oh, parfait. J'ai fait ajouter quelque chose sur la bannière. Un lien qui est Twitch. Je compte peut-être faire des vidéos de Twitch à un moment donné, mais pour l'instant, je n'en ferai pas pour une seule et bonne raison. Je sais pas comment ça fonctionne. Est-ce que c'est en intermittent avec YouTube ou c'est complètement différent? Je n'ai aucune idée, mais absolument aucune idée. Il faudrait que je regarde des vidéos pour savoir comment faire des vidéos Twitch, des vidéos en direct. C'est ça. Bon. Ça, c'est difficile de remonter quand même. Sur ça quand même, mais c'est difficile de remonter. Dans le registre de Master 2. Je vais finir par y arriver à un moment donné, mais tant que ça prendra le temps que ça prendra. Tiens, ça va être mieux demain. Ouais, je vais attaquer par là. Donc c'est l'archéique. Pas grave, c'est tour d'enfer qui est pire, pas l'archéx, c'est la tour de l'enfer qui est pire. De toute façon, je pense pas d'avoir le 50%, mais c'est pas grave, c'est absolument pas grave. Au moins, j'ai 6 trophées, c'est remis 6 trophées, comme que je vous dis. Bon. On fait les troupes. Et voilà. Les sujets que j'ai dit durant cette vidéo, c'est à peu près ça. Ça conclut vraiment la 50e vidéo de Clash of Clans. C'est sûr qu'il fallait que je fasse un spécial en plus de ça. J'en ai profité, comme vous avez pu voir, de faire une vidéo d'une heure. Prochaine vidéo... d'une heure qui va être très bientôt. Dans combien de vidéos, je ne sais pas exactement, mais c'est très, mais très bientôt. Oh! Je repense à l'affaire. Et j'ai combien? En argent. Oh, 160 000. Vous voyez ça? Et voilà. Le Shadow Clan est en amélioration. Ça va prendre 6 jours. Après ça, il va être au... il va être au niveau 5, mais il y aura plus... 5 capacités plus. J'aurai pas de sort de plus, je vais avoir ça sur plus de points de vie. Je vais avoir plus de. Non, ça c'est l'hôtel de ville. Je me trompe. Je vais avoir plus. Probablement plus de. De place en trésorerie parce que 1,6 millions c'est pas assez, ce n'est vraiment pas assez. Au moins j'ai assez d'argent pour attaquer, ça c'est parfait. J'ai fait quelques améliorations de rempart, comme vous pouvez voir j'ai... oups, bon, pas grave. Comme que vous pouvez voir, je commence à le remplir. J'ai tout fait le contour, là, je commence à le remplir. Après ça, ça va être ça. Ça va être tout le gros. Mais qui ne sera pas tout de suite non plus. Bon, après ça, je vais aller là. Mais j'avais arrêté pendant un bon bout. Et pourquoi? Quoi? Parce que on est hôtel de ville niveau 10 sûrement rendu là. Pendant ce long, on gaspille l'élixir. Quoi faire avec l'élixir à part de demi-heure et des remparts? Absolument rien.
En élixir noir. Ah! Deux choses. Oh, le molosse de lave. Ouh! J'ai pas à améliorer le molosse de lave. Yes! Parfait. Vous voyez ça? L'utilise pas, mais je l'améliore quand même. Même si je ne l'utilise pas, on sait jamais. On ne sait absolument jamais. Ça sera 75 000 chacun. C'est cher. Je risque d'améliorer le golem au niveau 3, c'est ça? Au niveau 4? Déjà, niveau 4? Shit. Ça va jusqu'à quel niveau? Déjà 5, si je me trompe pas? Moi, je sais même plus. Bon, c'est pas grave. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui. Et pour ce spécial Clash of Clans, 50e vidéo de Clash of Clans. Oh, quel criquet. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner parce que plusieurs nouvelles séries arrivent bientôt, dont une en particulier que j'ai vraiment hâte. Une autre, ça va prendre un certain temps avant que je commence. Mais ça va commencer. Minecraft, saison 3. Vous allez entendre des nouvelles bientôt. Pas ce mois-ci, mais peut-être le mois prochain. Il y a une annonce très importante pour cette série. En gros, bon, je vais vous le dire quand même. C'est que la série va être... Je vais l'arrêter. Il va y avoir, bien sûr, une vidéo qui est déjà tournée, fait un petit bout, que je vais monter. Ensuite, je vais faire une dernière vidéo et arrêter la série. Je vais tout vous expliquer ça en temps et lieu, de toute façon. Pour cela, vraiment, abonnez-vous à ma chaîne pour ne vraiment rien manquer des nouvelles séries. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans et des nouvelles vidéos qui sont à suivre. Alors, je vous dis merci à tous.